Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un jeu, les gars. Première fois sur ma chaîne, ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué, mais également depuis les 3 ans. Vous n'avez qu'à voir, ça fait 3 ans. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, voilà. Voilà, comme vous le savez, c'est l'anniversaire, c'est les 6 ans du jeu. Il y a Goku Ultra Instinct et Vegeta Blue Evolution qui sont là. Donc, bien sûr, on va aller essayer d'invoquer. On va essayer de les dropper surtout. Pas d'invoquer parce que invoquer, c'est sûr, les amis. Donc, voilà. Donc, on y va. Ça met un peu de temps de chargement, ouais, bizarrement. Peut-être parce que j'ai pas tout téléchargé, il aurait peut-être fallu. Donc, j'ai recommencé un nouveau compte, les amis. Comme vous pouvez le voir. Il y a une semaine, dès que j'ai su qu'il y avait anniversaire, j'ai recommencé un nouveau compte. Étant donné que je n'y joue plus depuis longtemps, je n'avais plus de compte. On va pas se mentir. Voilà. J'ai 263 DS. Ce qui est raisonnable, c'est pas énorme. Il y en a, ils vont avoir 1000 DS. Ils attendent ça depuis longtemps. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on. Moi, celui le personnage qui m'intéresse le plus, honnêtement, c'est vraiment le Goku. Hein, pour la hype, mais après c'est vrai que Vegeta j'adore, bien sûr. Donc, allez voir les attaques, les amis. Regardez comme c'est stylé, les potes. Ah, ouais. Après, c'est en x2, hein, j'ai l'impression, non, ça. Ah, c'est vraiment stylé, quoi. Très très joli. Son attaque ultime. Waouh, ça défonce les gars. C'est vraiment beau, hein, franchement. Les animations, quand même, c'est taffé quand même, les gars. C'est vraiment taffé. Ouais, c'est vraiment bien travaillé. Du coup, voilà. Donc le Vegeta, on va regarder le Vegeta. Le Vegeta. Qui est magnifique, hein. Moi, Vegeta, regardez ça, c'est trop stylé. Puis on voit qu'il a la puissance et tout, vous voyez ce que je veux dire? Quand il tape, on voit qu'il y a de la patate, quoi. Il a de la poigne, les Vegeta, on voit qu'il est en mode vénère. Franchement, ils sont vraiment bien faits, ils sont magnifiques, là, le Final Flash. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau, franchement. Je trouve peut-être Vegeta plus joli que le Goku, peut-être. Franchement, après, c'est peut-être mon cœur qui me parle parce que je préfère Vegeta que Goku à la base. Mais c'est vrai que le Goku, bon, le portail m'intéresse. Après, moi, pour moi, peut-être que le portail le meilleur, c'est peut-être celui-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire les 30 là. L'invocation, vous voyez, 30 là, le coup de 30. On va en faire une de chaque. Allez, les amis, souhaitez-moi bonne chance. Donc, il y a beaucoup de personnages que je connais pas, hein, que je connais plus, du coup. Je sais pas s'ils sont bons et tout, j'ai pas assez de recul. Ça fait 3 ans que j'ai quitté le jeu, les amis. Je fais une petite vidéo fun pour changer un petit peu, vous voyez, sur ma chaîne. C'est sympa, c'est stylé. Oh! Oh! D'accord. Si on pouvait l'avoir d'un coup, je peux en mentir, ce serait mieux. Frieza. Table. Sangwan. Guignot. Oh, lui, on s'en fout, lui. Pourquoi il ne va pas nous le donner 50 fois? Lui, je me rappelle même plus de son nom, les gars. C'est Majeta. Ok. Ouais. Pour le moment, c'est pas foufou, hein. Ryu. Sangwan. Ah! Bon. On l'a déjà. J'en ai pas beaucoup de personnages, les gars. Hein. Mais on a déjà. Ah, on va continuer du coup. Ça monte au fur et à mesure. Ok, d'accord. Écoutez, on va faire un tour. On continue. On va faire un petit tour, hein. Je crois que c'est toutes les 3 multis, il y en a une gratuite, un truc comme ça. Allez.
Allez. Là, y a pas eu d'animation particulière. Ok. Allez. Goku A qui arrive sur Dragon Ball Legend, qui est extrême, les gars, qui est super fort. En ce moment, c'est un monstre. Voilà, c'est l'équipe. Bon, on espère qu'on a un peu de chance pour le Goku quand même, ça serait bien. Qu'on en ait au moins un des deux. Alors, vu que c'est un jeu de gacha, c'est toi et ta chance, quoi. On va pas se mentir. Chichi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça, c'est rien. Ouais. Oh! Bon, je l'ai pas. On a vu que c'était rouge, les amis. Des dégâts colossaux et tout, d'accord. Ok, pour ma team divin, c'est vrai que j'ai une team divin, donc ça peut être pas mal. Allez. On finit. Allez, un petit peu de chance, ça serait très bien, j'aimerais bien. Goku. Ah, allez. Est-ce que le jeu va être généreux avec nous, les amis? C'est la question que je me pose, mais bon. Allez. C'est 19. Ah bon. Sangwan. Ah bon, là, on l'a eu 50 fois, lui. Jiangsu. Bon, comme champa. Pour la team divin, ça peut être amélioration. Ouais, ok. Bon, mais c'est pas fou, hein. Bon, elle est gratuite, les gars. Bon, on va faire un petit tour de chaque dans chaque portail. Voilà. En espérant qu'on en droppe un. Alors après, bon, c'est. Voilà. C'est vraiment aléatoire. Là, il n'y arrivait personne du coup. Ça sent mauvais, les gars. Après, ça veut rien dire, hein. Mais bon, je crois que. On fait KO, ouais. C'est pas ouf, hein. Franchement, là, je vais pas vous mentir, les gars. Dans les jeux de gacha, faut être positif, mais c'est difficile quand même, hein, d'être toujours positif. Comme on dit. Donc, voilà, quoi, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les amis, pour me dire si vous avez droppé ou avec combien de DS pour avoir une petite idée. Est-ce que vous avez droppé dans les personnages LR? Parce qu'il y a plusieurs LR, sur le portail, on n'en a pas parlé, hein. Mais voilà. Oh! Celle, ok. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas ce qu'on cherche, hein. C'est pas ce qu'on cherche. Bon, ouais, écoutez, les amis, on va faire l'autre portail, hein. Allez. Ok, Krilin Piccolo. Transforme pas. Ça sent la canne. Ah, oh! Si ça pouvait prévoir un bon personnage, ça serait bien, les gars. Ça pouvait être Vegeta direct, ça serait top. Chichi. Chichi. Franchement, ils abusent avec ça, hein. C'est 17. Oui, je me rappelle plus. Aïe, ouais. Aïe. C'est 17. Ça fait deux fois, frère, que tu me le donnes. Charge. Bojack. Ah. Ah bon? Vegeta. Je sais pas ce qu'il vaut, les gars. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, ce Vegeta, mais bon. On a le PD, les gars. Pourquoi pas? Folichon, folichon pour le moment, les amis. Hein. Allez.
Oh! Oh, la belle animation, les gars, ça garantit quelque chose, là? Oh! Oh, yes! Je crois que ça a l'air, les gars. Oh, pas mal. Très, très, très bien. Je crois qu'il est très, très fort, d'après ce que j'ai vu. C'est un très, très bon LR, apparemment. Oh, bien! C'est pas Vegeta, mais c'est très, très bien, les amis. C'est très, très bon, ça. C'est très, très bon, ça. Végéto est là. Oh! Kale, ouais. Pas mal. Pour la team tournoi du pouvoir, ça peut être bien. En vérité. Oh, très très bonne multi, les amis. Hein. Franchement, il n'y a rien. Oh! Ah, bien sûr, c'est pas Vegeta, quoi. Vegeta Super Saiyan Divin, ok. Franchement, très très bonne multi, les gars. Ah, il est là. On va le bloquer. Mais non, ça met longtemps hein, pour charger. Ouais, c'est ça, c'est. C'est un très très bon, d'après ce que je sais, ouais, c'est une très très bonne carte. Saga de boost, Super Saiyan pur, quoi. Ok. Non, mais pour le moment, franchement, là, c'est une très très bonne multi, hein, pour le coup. Donc ouais, ça veut rien dire, hein, vous voyez, qu'il soit tout seul. Puis c'était pas marqué comme d'habitude, c'était marqué « Dépêche-toi vite », c'était marrant. C'est vraiment bien ficelé, ça. Nel. Lapin. C-17. Ouais, Guignot. Vegeta. Je me rappelle plus. C'est quoi? Uncheon, ok. Ouais. On va dire que c'est pas les personnages les plus hype de ouf. Oh! Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Pas mal. Voilà, comme ça, rien à voir au début. Allez, les gars. Dernière multi. En espérant que ce soit qualitatif. Hein. S'il vous plaît, le jeu. Oh! Oh! Pas mal! Vegeta Blue, encore, mais. En vedette Dokkan. Ok. Il est en vedette Dokkan. Ok. C-18, ouais. Voilà, hype de ouf. Alors après, peut-être que moi je dis ça parce que je suis pas hype devant le personnage, mais peut-être qu'ils sont forts. Hein. Attention, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, s'il y a vraiment des personnages qui sont à part entière, qui valent vraiment le coup de booster, quoi. Parce que j'ai plus de recul sur le jeu, hein, donc c'est une petite vidéo stylée comme ça pour fêter les 6 ans, quoi. Avec vous, mais n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire. Ah, elle est belle, Thalès, elle est magnifique celle-ci. Franchement, elle est belle cette. Ok. Bon. Donc, lui, apparemment. Il a un éveil de canne. Quel test. Il a un éveil, donc on va le mettre de côté. Ok. Tournoi du pouvoir. Ok, d'accord. Les deux gars colossaux, il a tapé fort. On n'a même pas de quoi en faire une. Ouais. On va regarder si on a. Non, oula! Surtout pas, de toute façon je peux pas. On va finir par ça, les amis, hein, tant qu'à faire. On peut en faire 50 vidéos pour une vidéo.
Oh. Par contre, on est mané à LR, c'est vachement intéressant ça quand même quand vous commencez le jeu. C'est quand même bien quoi. LR végétaux en plus, super végétaux. Golem. Oh. Ok. Je sais même pas qui c'est qu'il faut monter les amis. Je suis honnête avec vous. Il y a un éveil d'Okan, ok. Il y a lui Goku, celui que j'aimerais bien avoir, c'est vrai, il est stylé. Bon, bah écoutez les amis, voilà, donc on a eu un LR qui est la fusion de Goku et de Vegeta en super végétaux, donc qui est très intéressant. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a eu aucun nouveau personnage de l'anniversaire. Donc je vais continuer à farmer un petit peu pour continuer d'invoquer dessus. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, les amis, si vous avez eu un des deux personnages, les deux ou aucun des deux, avec combien de DS, bien sûr. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Petit point, je serai beaucoup plus présent sur ma chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui, car maintenant j'ai fini ce que j'avais à faire d'un point de vue personnel. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus tard, les amis. Bonne journée à vous. Bye.